Bonjour tout le monde, coucou. Alors, je suis désolée, Facebook a fait plein de changements dans l'interface pour lancer les lives. Du coup, ça m'a un petit peu perturbée, mais ça y est, vous avez l'air d'être là. Coucou Makati, coucou Maritine, bonjour Nathalie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Flo. C'est super, bonjour Christelle. Salut Crapouillot. Evelyne, tu prends ta pause, super. Bonjour tout le monde. Alors, ce live aujourd'hui est un petit peu particulier. Bonjour Patricia. Coucou Muriel. Hello Mumu. Il va être très court, ne vous inquiétez pas. Bonjour Martine. Je trouvais ça plus agréable. Bonjour Kukiren. Bonjour Dominique. De partager avec vous en direct comme ça le petit programme de l'été, plus sympa que toute une tartine sur un article. Au moins on peut échanger ensemble, c'est un petit peu plus interactif. Voilà. Oui, Laurence. Ah oui, alors bon courage à lui pour la vaccination, ma belle. Donc voilà, tout simplement, vous parler rapidement donc du programme de l'été, des vacances, parce qu'il en faut. Coucou Viviane. Et puis, puis deux, trois petites nouvelles que vous avez peut-être déjà dû apercevoir sur les réseaux déjà depuis quelques jours ou depuis ce matin. Voilà, quelques petites nouveautés. Coucou Karine. T'as du mal à me trouver? Ah bon? Bah, pourtant, le live est sur ma page. Comme d'habitude. Alors, et puis je sais qu'il y en a parmi vous qui vont basculer à 10h30 donc sur le live de Aude, donc je vais essayer d'être concise et claire. Merci Mumu, c'est gentil ma belle. Coucou ma Fabienne. Alors, on va essayer de prendre les infos dans l'ordre, peut-être parce que tu n'avais pas mis intéressé ou participe Karine, c'est pour ça ma belle. Coucou Aude, t'inquiète pas, je vais essayer de faire vite. Alors, ce matin donc j'avais envie de vous parler un petit peu du programme de l'été parce que voilà, les mois de juillet et août sont des mois assez particuliers pour tout le monde. Et du coup, voilà, l'organisation change un petit peu et je ne vous cache pas que j'ai besoin de quelques jours de vacances pour souffler parce que sinon ça va pas le faire. Donc je vais faire les choses dans l'ordre, je vais essayer de faire les choses chronologiquement. Déjà, dans un premier temps, vous avez dû le voir aujourd'hui, nous avons une nouvelle promotion qui démarre aujourd'hui. Décidément, Stampin' Up! Aime bien nous gâter et nous faire des petites surprises. Et celle-ci est quand même très très sympa. Vous avez vu, 15% de réduction sur une sélection de papier design. C'est vraiment le moment de se faire plaisir avec nos papiers préférés. Vous les voyez pour certains à l'image. Ils sont vraiment magnifiques encore cette année. Et du coup, voilà, on va culpabiliser un petit peu moins de se faire plaisir. Non, 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 pas du tout, ma Fabienne. C'est pas ça. En fait, l'avantage de cliquer sur intéresser ou participe, c'est simplement, ça te permet de recevoir une notification au moment où ça démarre. Voilà, c'est juste ça. Donc voilà, cette promo, en plus, elle dure un mois, elle commence aujourd'hui jusqu'au 2 août. Donc vous avez le temps de vous faire plaisir, ça va être super sympa, surtout pour celles et ceux qui ont des projets d'albums, par exemple. Ça peut être le moment de faire le plein. Voilà, ça c'est la première super nouvelle. Ouais, c'est ça, Fabienne, mais pour le cerveau de beaucoup de gens, t'inquiète pas. Hein. Ça c'est clair. Je vous rappelle aussi donc les mini kits d'échantillons, lots, rubans et ornements. Donc les inscriptions se terminent demain.
Donc, je vous rappelle que c'est uniquement les rubans et les ornements, les nouveautés du catalogue annuel. Je ne suis pas complètement folle, je ne peux pas faire sur l'intégralité du catalogue annuel. C'est quand même beaucoup plus intéressant de se focaliser donc sur les nouveautés. Donc, vous avez toutes les infos sur mon blog harmoniescrap.fr. Si vous avez besoin du lien, je vous le mettrai en commentaire, il n'y a pas de souci. C'est mini kit, échantillon, ruban et ornements. Donc, jusqu'à demain midi pour les inscriptions. Ok ? Ensuite, maintenant, coucou Rachel. On attaque donc le programme de l'été. J'ai essayé de planifier pas mal de choses, mais aussi de faire une petite pause sur une ou deux petites choses. Et je suis sûre que vous me comprendrez. Donc, il va y avoir, si je ne me trompe pas, trois dimanches où je ne publierai pas de Sunday Challenge. Je vous explique rapidement pourquoi. Une semaine avant donc mes vacances, ça veut dire que je devrais faire le tirage au sort au moment où je charge les valises. Donc ça va pas être pratique du tout. Donc on va éviter de faire des bêtises. Voilà. Donc je pars du 31 au 8 août. Voilà, comme ça vous savez tout. Pas de Sunday Challenge le 25 juillet, le dimanche 1er août non plus, puisque pour le tirage au sort, je serai toujours en vacances. Donc, encore une fois, je ne veux pas faire de bêtises au moment de tout ça. Donc, je préfère m'abstenir, je suis sûre que vous comprendrez. je ne vais pas vous trouver d'idées bizarres. T'inquiète pas, j'en ai plein la tête, puis il y en a qui sont prévus déjà. Hein. Et également le 22 août, il n'y aura pas de Sunday Challenge. Là encore, cette semaine-là va être un petit peu chargée puisque nous avons une formation chez Stampin' Up pendant 3 jours, ou devrais-je dire 3 nuits, puisque c'est en majeure partie calé sur les horaires des États-Unis. Cela risque d'être un petit peu compliqué, il va y avoir un sacré décalage horaire, n'est-ce pas Aude ? Donc, il y a certains moments où il va falloir être raisonnable. Aude, tu l'as déjà vécu, moi ça va être une grande première, ça risque d'être quelque chose. Voilà. Donc, par sécurité, je préfère ne pas faire de prévoir de Sunday Challenge pour ce moment-là, puisque c'est pareil, le tirage au sort devrait se faire le samedi et nous serons encore en plein backstage, donc soyons raisonnables. J'espère que vous comprendrez. Bien sûr, toutes les autres semaines, vous aurez toujours le Sunday Challenge et on retrouvera notre rythme normal à la rentrée. J'osais pas le dire, Aude, mais oui, on va se retrouver toutes les deux pour pouvoir faire backstage ensemble. Voilà, on sera pas toutes seules, on va pouvoir se soutenir. Ouais, on va marcher à l'envers, ça c'est clair. Coucou Karel, ça va ma belle? Ça risque d'être assez marrant, on a hâte d'y être en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, voilà, exactement. Alors, justement, on parlait de vacances. Vous le savez, hein, je maintiens les lives toutes les semaines. Exceptionnellement, deux fois dans l'été. En virtuel, ma routine. Ouais, backstage, ça va être en virtuel. On n'a pas le choix encore cette année. A priori, deux mercredis dans le mois, je vous donnerai bien sûr un tuto vidéo dans ces deux mois, toujours hein, quelque chose de créatif. J'essaierai de vous faire un petit coucou quand même au démarrage à 14h le mercredi. Je vais essayer en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, mais vous aurez donc un tuto vidéo, donc le, que je ne dise pas de bêtises, le mercredi 4 août. Oui, on donnera peut-être des photos si vous êtes sages. Et probablement aussi le 22 août, non c'est pas le 22, le 25 août, voilà, pendant backstage, histoire de, pareil, de pas faire de bêtises non plus. Ça reste encore à confirmer pour cette date-là. Voilà, voilà.
De toute façon, à la fin de ce live, je vous mets un résumé de tout ceci sur mon blog. Et même, je vais pousser les choses encore un petit peu plus loin. Je vais vous proposer d'avoir un calendrier sur l'article où vous retrouverez l'essentiel des activités, bien sûr. Vous pourrez voir que ce soir, j'ai un nouvel épisode des portes ouvertes virtuelles sur le groupe privé. Vous pouvez toujours demander votre adhésion. Attention, je répète, les réponses aux questions sont obligatoires. Je ne peux pas valider une adhésion si on n'a pas donné les réponses aux questions. Voilà, vraiment j'y tiens. Mes VIP vont avoir droit à un live spécial au mois de juillet juste pour eux. Voilà, donc le 15 juillet. Vous verrez quelques petites photos, mais ça sera donc un live qui leur sera uniquement réservé. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le groupe des VIP, aucun problème. Dès que vous avez validé une commande sur ma boutique, vous avez accès à ce groupe. Voilà. Et puis, les prochaines portes ouvertes auront lieu le 22 juillet. Voilà, un autre épisode. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, une dernière info qui n'est pas des moindres quand même. Oui, VIP Cathy. Oui, oui, rien que pour vous, c'est ça. Le mini catalogue automne-hiver, enfin août-décembre plus précisément, est arrivé pour nous. Il est magique. J'ai pas d'autres mots. Il est magique. Coucou Christelle. Ça va Coco? Mais oui, ils sont toujours tous très très sages. Bien sûr, on le sait. Mais il va falloir qu'ils bossent un petit peu s'ils veulent les fameuses photos hein, de backstage. Ça se mérite. Donc voilà, donc le mini catalogue du coup. Page 44 crapouillot, oui. Vous me faites beaucoup rire avec vos pages. Il y avait longtemps. J'ai oublié la date du premier live de Crapouillot. Non, je ne l'ai pas oublié. Il est indiqué sur mon calendrier. Faudra aller jeter un œil là-dessus. Il est calé. Donc ce mini catalogue, si vous êtes déjà ma cliente ou mon client, que vous m'avez passé commande depuis le 1er janvier, vous n'avez rien à faire à part attendre et guetter votre boîte aux lettres courant juillet. Voilà. C'est en cours de préparation. D'ailleurs, je les ai commandés ce matin. Donc ça, c'est fait. Par contre, si vous n'êtes pas ma cliente ou mon client et que vous n'avez pas de démonstratrice attitrée, il suffit de remplir le formulaire avec votre adresse que vous retrouverez dans l'article après le replay, bien sûr, comme d'habitude. Ok, ça marche? Je lancerai donc aussi courant juillet les échantillons des papiers design, parce que je sais que vous aimez bien ça. Voilà, donc ça sera lancé courant juillet également. Donc restez... oui, il y aura un PDF, Karine, mais seulement au mois d'août pour vous. Dès le 3 août, vous aurez le PDF. Voilà. Et puis je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour de toutes les infos que je voulais vous donner ce matin. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis là pour y répondre. Donc j'essaye d'organiser tout ça au mieux, voilà, simplement pour pouvoir me poser un petit peu et prendre quelques jours de repos qui me sont fort nécessaires puisque depuis le début de l'année 2021, c'est assez chargé et j'ai vraiment besoin de me poser. Mais je suis sûre que vous comprendrez, je suis sûre que ça vous fait pareil à vous aussi. Mais ne vous inquiétez pas, je serai toujours là, pas loin, à veiller, à guetter et à répondre à vos questions. Peut-être un petit peu moins rapidement, notamment pendant la semaine de mon absence. Mais en tout cas, soyez sûrs que je ne vous lâche pas complètement. Et puis on a encore... plein de lives à faire ensemble le mercredi après-midi, les portes ouvertes, les lives pour les VIP, j'ai un atelier, enfin des ateliers prévus aussi en présentiel. Donc voilà, tout ne s'arrête pas pour autant, juste lever un petit peu le pied et je suis sûre que vous me comprendrez.
Voilà, s'il y en a parmi vous qui ont des questions, je peux y répondre sans problème, même en message privé, là ensuite, il n'y a pas de souci. Oui, il faut déconnecter de temps en temps, c'est clair. Exactement, pour mieux revenir après. Tout à fait. Ouais. Puis changer d'air un petit peu, ça va faire du bien de changer d'air un petit peu. Voilà, bah écoutez, je ne vous retiens pas plus longtemps. Du coup, vous allez pouvoir aller vous faire un petit café ou un petit thé avant de rejoindre Aude pour son live dans 10 minutes. Tout est parfait, je suis ravie d'avoir réussi à tenir le timing. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et juste une petite chose, n'oubliez pas qu'au mois d'août, il y a la Celebration qui va démarrer. Oui. Alors, la brochure SAB est aussi magnifique que le mini-catalogue, bien sûr. Tout est prêt, on est trop bien organisé. Ben ouais, c'est pour ça qu'on s'entend bien, tu le sais bien, ma belle. Voilà, la Celebration, on aura bien le temps d'en reparler, ne vous inquiétez pas. Un duo, bien sûr, Christelle. Oui, la SAB extraordinaire, on en reparlera, vous inquiétez pas. On a le temps de le faire, vous avez le temps de découvrir. Et puis, de toute façon, quand vous allez recevoir le mini-catalogue, bien sûr, la brochure sera à l'intérieur. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Tu vois, Marie, Muriel, tu t'inquiétais l'autre jour. Eh ben non, finalement, ça tombe parfaitement bien. Le timing est respecté. Tu vas avoir le temps de suivre le live de Aude sans problème. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très très belle journée, Chippy Christelle. Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir été là ce matin. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si jamais vous regardez ce live en replay. Et puis d'ici quelques minutes, vous retrouvez donc toutes ces infos sur mon blog harmoniescrap.fr. Vous aurez tout ce qu'il faut et un petit résumé de tout ce qu'on en a dit ce matin. Voilà, je vous embrasse, amusez-vous bien, scrapez bien avec Aude et à très vite. Gros bisous !